Resident Evil. Attends, je vais prendre des trucs. C'est l'heure du feu de joie. Heureusement que j'ai la grosse arme, parce que... J'arrive ! Mais c'est quoi ce bordel ? Ils viennent d'où ? C'est bon. Suivant. Crame-moi ça. Il est où l'autre? Ok, on est ready. Je suis prête. Terminé. Attends, il y en a encore, je crois, non? Non, c'est bon. Oh merde! Ça va? Ouais. Ils aiment pas trop recevoir de visite, pas vrai? Bah, faut les comprendre. Ils ont plutôt intérêt à... C'est clair, Maxime. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je revendique ces terres pour Lost Lake. Le pouvoir au peuple. Bon, vérifions les boîtes de raccordement et foutons le camp d'ici. Ah ouais, bah foutons le camp de cette mission. C'est pas drôle, écoutez. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok. Yes! Yes! À quoi bon embaucher des ingénieurs? J'aurais pas réussi sans toi. Il suffit de descendre un levier. Oh, comment elle me regarde, dis donc. Je vais venir ici dans un mois pour réparer cette merde. Attends, tu seras encore là dans un mois? Hein? Non, je sais pas. Écoute, laisse tomber, oublie ça, tu veux. Relax, je te fais marcher, Dick. Ah, attends, pourquoi j'ai ma batte, là? Tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères? Bah, parce que c'est toi qui m'en as parlé. Je sais pas. J'en ai parlé avant. Du coup, désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder. Pas de soucis. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc que je voulais te demander. Ah bon? On voulait ensemble. Ok, Ricky. Mais pas maintenant. Tu me demanderas plus. Pas maintenant. Quoi, non? Hé! Hé! Hé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Allez, faut qu'on se bouge. Allez, on bouge. Ah. Embrouille numéro 2. Hé, hey, tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé, Boozer et toi. Ah non. Qu'est-ce qu'il y avait à demander? Je savais très bien pourquoi. Iron Mike et ses serments. Ça va pas être ça. Non. Bon sang, Ricky, tu veux vraiment faire ça maintenant? On roulait ensemble depuis quoi? Un mois ou deux, je sais plus. Mais oui, Dick, s'il te plaît. Oh, ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'accord. J'ai pas mal dehors et... Et Boozer... Ah, et Boozer, elle a essayé de me violer, ça va être ça? Non. Tu sais, ça a pas trop changé. Et alors, Boozer... Toi, tu pensais qu'on dormait tous? Ah non, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Si, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours. Et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit. Et alors? Montre la photo, Dick. Hein? Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, elle parle de sa femme. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky? Que je voulais surtout pas finir. Comme tous les autres, ici, bloqués dans le passé, ou tentant de le fuir. Je veux seulement... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. Oula. C'est pas du tout ce que tu crois. D'accord? C'est pas ce que tu crois. Je suis capable d'aimer une autre femme, écoute. Renoncez! C'est pas ce que tu crois, d'abord. T'es sûr que c'est eux? J'ai vu la barque dans son dos! On est du camp de Lost Lake! Oh, elle va se prendre une balle dans la tête! Super idée, on remet ça un de ces quatre! Ils s'en battent les couilles de votre trêve! Bouge pas, reste au cœur! Je sais que t'es toute seule!
balle in the face. Ah mais c'est quoi cette arme? Merde, j'ai pris un truc de... C'est vous hein les mecs. Attends. C'est quoi ce bruit? Attends, mais y'a quelqu'un derrière là. Tiens, salopard, ben. J'arrive. Merde. Au secours. Si vous retourniez à Iron Butte, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dans la sortie. Bon, c'est un peu bancal hein, comme fight. Ça ressemble à rien du tout. Hein, j'ai pas d'arme de longue portée, c'est la daube. Bon, je vais y aller. Ah, je sais, je vais utiliser une grenade flash. Attends, c'est où? Fumigène. Attention, fumigène. Allez, go. Fumigène, Call of Duty. Tiens! Oh merde! Vous êtes censé rester dans les jupes de Carlos, pas vrai? Tiens, on va tester la grenade flash. Elle est où? Grenade flash. Sur les yeux. Merde! Oh putain, je me trompe dans mes touches. Je fais n'importe quoi. Attends, je vais jouer. La vie sourit. Ça fait plaisir en 8 ans, non? Hein? C'est ce que vous voulez? Il fait quoi? Ah, mais le voilà! Sur les droits en enfer! L'autre, les mecs avec la sulfateuse, ils sont là. Wow. Il y a Monsieur Sulfateuse qui est là-bas. What? Tu veux un molotov sur la tête? Merde, c'est loupé. Bon, je tente le coup. Putain, j'ai plus de life. Mais non, attends. Salopard. You die. Aucune idée. À l'époque, j'ai eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça. Je crois qu'ils carburent au PCP, ou une merde dans ce genre. Ah, au PCP? Au sel de bain. Tu te souviens? C'était la mode avant que tout se mette à dérailler. Ouais, c'est ça. Bon. Après, RM4, je sais pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un pour te répondre. Que quand t'as du silence des fois sur le chat, c'est que... Il n'y a plus personne présent dans l'espace de discussion. Bon, c'est un combat très mal mené. On s'en est sorti et ça a pointé. Mon erreur stratégique, j'ai rien pour tirer de loin. J'ai que des armes de courte portée. Moi j'entends le live. Meganico nous écoute. Meganico nous écoute. Comment l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir? Je sais pas. Foiré de Reaper, après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer, ce qu'ils ont Dick fait à Lisa. Quoi? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Ah, il avait quoi?
Vous vous êtes frotté à eux, Boozer, toi et les Reapers, avant que tu voles les antibiotiques ? J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Hello, Nasich. Allez, viens. C'est quoi, en fait ? Mais il a dit qu'elle avait ça sur lui, mais c'est quoi ? C'est une fiche de gens à tuer ? Bon. On a même pas d'infos. Une ligne électrique vers le sud. Et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Ah, mais c'est pas encore fini, cette mission ? Ok, je te suis. Ce n'est point fini, mais c'est interminable. Mais je peux te poser une question ? T'as vraiment le choix ? Comment t'as intégré le MC ? C'est une longue histoire. La route sera longue. Ok. J'étais membre de la division de montagne. Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'Alliance du Nord. Merde ! Je savais pas que t'étais dans l'armée. Pourquoi tu... Savoir, oui ou non ? Pardon ? Avancer sur Mazar-e-Sharif. Des talibans... On a combattu les talibans. Embusqués. Ils avaient monté des ZU-23 sur leur pick-up. Et des canons anti-aériens. Du lourd ? Ouais, du très lourd. Notre homme-vie a explosé. On a plongé droit dans le Hari, du haut d'une falaise. Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan ? C'est très dur. Cet endroit est un putain de désert. Bref, j'ai été éjecté du véhicule. Quand j'ai repris connaissance, le Humvee était retourné. Ah merde, j'ai pas vu ton message, Bat. J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants. Défiance, ça me dit... Ah si, mais c'était nul, je crois, ça. Et le temps que j'évacue Tanner, mon sergent, j'en pouvais plus. Quand je sais pas trop, j'ai acheté une bécane. Passé quelques années sur la route, je me fixais nulle part et... Farewell, t'as grandi dans le secteur, pas vrai ? Ouais, ouais. Quand je me suis enfin posé, j'ai trouvé un taf dans un magasin de moto tenu par... ce vieux type, Jack. Jack. Il dirigeait le club. C'était le président, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est lui qui m'a fait entrer au MC. Attends, Jack ? Ah, on peut se mettre comme ça. Les choses ont mal tourné, et c'est lui qui a plongé pour protéger le club. Vous étiez proche, on dirait. On était proche. Oui, c'est cela. Et merde. Ils l'ont amélioré, notre défiance 2050. On reviendra demain matin. Avec les outils dont t'as besoin. Oh non ! On pourra terminer. Il y aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez. Bah ouais. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. Oh. Je vais faire comme lui, comme le héros. Je peux te poser une question ? Oh. Tu portes toujours tes couleurs. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas comme si les MC recrutaient encore ou se battaient pour leur territoire. Ouais. Je connaissais deux gars à l'usine qui portaient leurs couleurs le week-end. Je leur ai posé la question une fois. Ils m'ont dit que c'était une façon de dire merde. Je sais pas à qui. Flics, autorités ou gouvernement. Et toi, tu te rebelles contre qui ? Me rebelle contre la société. Écoute, on les porte, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mon Boozer, je sais pas, je préfère rien dire. Mon cuir. Mon cuir. Fais un tas de conneries dans ma vie. Cuir, moustache. Disons que... c'est une des rares choses que je regrette pas. Je regrette pas de porter le cuir. Ricky, tu peux me dire ce qu'on fout là ? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des hordes. Je sais, mais pas comme celle-là. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais voilà celle que j'essaye de tuer depuis des jours. Je suis venu les observer à plusieurs reprises. Ah mais c'est pour ça que je pouvais pas la tuer. Il y avait la quête. Ils sortent tous les soirs, comme si on les appelait pour dîner, ok ? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient.
Quoi, t'es jamais descendu voir ? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approchée et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Non, mais y a rien ici, Bat. Mais ça, je la connais en plus, okay. Celle-là. Ok. Bref, l'autre jour. Je sais même pas pourquoi il nous la montre, hein. Tu vas pas en croire tes oreilles. Sérieux, t'as envie de poser ? Ok, je t'écoute. Attends, laisse-moi deviner. T'as vu un hélico du Néron ? Attends ! Comment tu le sais ? Bah, ça fait plusieurs fois qu'on envoie survoler Lost Lake. Merde ! Pourquoi ça t'intéresse ? C'est pas comme s'il venait nous aider ? À ce qu'on dit, il tire... Ah ouais, le jeu, il est bien, hein. Ah ? On aurait pas dit ? Il est super cool. Ah, la ligne de dialogue s'est terminée. Lost Lake Resort. Ah, Bat Nuance, visiblement cool. Hey, où est-ce que t'étais passé ? Contente de te voir, Schizo a dit que vous étiez parti, d'y connais-toi. Je me suis inquiétée. Adi, je suis crevée, ok ? Non, mais je rêve. Hey, Dick. Merci. Ouais, t'inquiète. Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transfo. Je serai dans le coin. Promis. N'importe quoi. Ouais. C'est quoi ton problème ? Non, non. Je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok. Excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire. Bah ouais, merde. T'inquiète tout le monde. C'est tout ? Mais je tiens à toi, ne faut pas partir comme ça. Ah, combien d'XP ? 6000. 400 confiance. 400 confiance pour ça. J'étais au bout. C'était mon dernier jour, en fait. Je bossais dans un petit café à Farewell. Niveau perte de temps, ça se pose là. Bah ouais, niveau perte de temps, c'est clair. On a perdu du temps, là. Et il faut encore faire une mission comme ça, là. Chasse aux maraudeurs. Localiser le camp. Non, c'est quoi ? Drifter à Eden Hill, localiser le camp. Hein ? Oh, quel dommage. Trop tard pour aller nettoyer le marais ? C'est con, hein, Schizo ? Ah, attention, il y a Geek le connaisseur. Parlons de Schizo, je me demande ce qu'il a foutu de sa journée. Attends, merde, je sais pas si j'ai des munitions. Est-ce que j'ai des munitions ou pointe ? Mais non, j'ai plus de munitions ! Mais merde ! T'avais un truc à acheter ? Eh, hey, Buzz ! Non, non, j'ai rien acheté, j'ai plus de munitions. Oh, Deacon, contente de te revoir. Blair, comment tu vas ? Ah, il me faut quelque chose pour tirer à longue portée, là. Malgré des gains de puissance d'arrêt assez faibles, cette arme est tout de même très efficace. Mais non, mais c'est nul. C'est nul, c'est nul. Bon. Oh, ok. Ouais, sympa. J'ai voulu test et ouais. Il n'était plus dispo sur Steam. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais il me faudrait les grenades, hein. Mais c'est 25 000 pour avoir les grenades. Reste bien sur tes gardes. 25 000, rendez-vous compte. J'ai que 2 000 de confiance. C'est quoi ce bruit ? Il y a une poule. Je vais m'arrêter 2 minutes, là, je vais aller aux toilettes. Je vais me mettre devant la porte et je vais aller aux toilettes. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah mais merde, je vais dans l'eau.
Le jeu dead. Ah bon, la fermeture du jeu, tiens, fini. Défiance, mais Défiance, c'est pas... Ils avaient pas sorti une série télé en même temps? Je crois que c'était ça à l'époque. Hé hey Ricky, tu m'entends? Je vais être parti un moment. Faudrait que tu me couvres. Schizo va se demander pourquoi je suis pas en train de traballer des cadavres de mutants ou... Je sais pas quelle connerie. Hé hey Dick, qu'est-ce qu'il y a? C'est Boozer. Je sais pas trop. Il est déprimé, un truc comme ça. Demande à Addy. Je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu veux faire? De quoi ce bruit? Je sais pas. Je me disais que je pourrais retourner au... Ah mais regardez, récupérer sa béquille. Voilà l'énorme mutant, là, les gros gros. Une sacrée trotte à pied. Je me débrouillerai. Alors, tu veux bien couvrir ou pas? Les gros musclés, là. Merci, Ricky. Terminé. Mais je vais pas m'en occuper. J'ai pas fermé mes munitions pour un gros, c'est à rien. Hé, hey, Ricky. Vous voyez tes hommes le récupérer? Ouais. Ok Ricky, je suis tout près d'Eden Hill. Et ouais, nos drifters sont toujours là. Ah. Tu peux t'en charger? Est-ce que je peux m'en charger? Effectivement, je... Te découvrir, terminé. Je puis m'en charger, ma chère. Alors, vous pensiez pouvoir faire un arrêt ici, bousiller les lieux? On y va. Vous dégagiez. On va commencer par lui. J'y arrive de côté. Il ne m'a point vu et clac. Dead. Qu'est-ce que vous avez? On est attaqué! On est attaqué, oui, c'est moi! Ouah, tiens, un loup qui essaie de m'attaquer là. Attends, faut que je m'en mette au clavier souris là. Voilà. Cette fois, je te tiens. Allez, soyez pas timide. Oh les. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi là. Non? What? Wow! Oh oh oh! Dégage, là t'as un problème. Voilà, hop. Wow. Mais c'est qui hurle comme ça? Wow! Attends, je vais récupérer le piège à loup, moi. Il est où le piège à loup, là? Hé! Hey! Arrêtez de me tirer dessus, là! Je veux récupérer... Oh, bon, et moi, il me saoule. Il est où, celui qui me tire dessus? Ah, il y en a un, là. Où est-ce qu'il est? Ah mais il est là-bas le... Michel là. Vous êtes encore combien? Ça y est, c'est tout. Ça y est, c'est tout. Oh non, merde, encore un. Ok, je crois que c'est tout. Voilà. 4000 XP. Pécable. Plus un chiffon. Pas mal du tout, la petite SMG, au final. T'as envoyé tes hommes le récupérer? Ouais, et il est vachement plus coopératif d'un coup. Nos gars sont arrivés sur place juste avant une meute, ça a dû aider. Ils ont laissé le choix entre nous dire où étaient les graines ou rester attachés là. Ah, comme c'est bizarre. Oh merde, y a des gens qui arrivent. Franchement, pas hésité à le laisser crever, moi. Y a un mec avec un quad, là. Et Skyrun Mike en penserait? Ouais, ouais, je sais. À plus, Ricky. Bordel, une patrouille de maraudeurs. Ah, patrouille de maraudeurs. Bon, je vais récupérer. J'ai plus qu'à contacter Ricky pour dire que c'est réglé. Voilà. Comment ça s'est passé? Ah, mais non, il peut pas récupérer les pièges à loups. Ils iront plus aucun camp. Pouf, Dieu merci.
merci. Piège à ours. Je vais dire à Iron Mike. Tu sais, si tu continues comme ça, Mike et toi, vous allez devenir de super potes sans même que tu t'en rendes compte. Salut, Dick. Je suis deg, il était sympa ce MMO. Eh ouais. Dick, paraît que t'as retrouvé Eric Lynch. C'est quoi ce bruit? Hey Mike, je l'ai chopé. Je te remercie. Il est bruit très étrange là. Il sera jugé. Ok. Et aura une chance de s'expliquer. Super. Dommage que Campbell et Reed soient plus là pour donner leur version des faits. Eh, hey, on a du monde prêt à parler en leur nom. Et on a des témoins. C'est comme ça qu'on procède ici, Dick. Wow. Moi, tu me le laisses pas 5 minutes, tu les auras, tes aveux. Merci, mais on se débrouille. Terminé. Wouhou! Toute bonne chose. Ah, il se passe quoi? Ah, ça va nous repasser de jour, non? Quand c'est comme ça. Ils font tourner leur planète. Pour mettre le soleil. Non. Oui, d'accord. Mais c'est pas ça. C'est pas ça? Ah non, c'était... Ah, c'était pour refaire la neige. Oh, Brian, j'ai atteint l'une des balises. Ah non, mais ça m'a relancé une autre quête. Je me suis trompé. Il y a vraiment rien ici. Attendez. Ok, un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire? Terminé. Ouais, je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Terminé, mon ami. Ici, O'Brien. Vous me recevez? Ouais, c'était quoi ce bordel? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi. C'est rien, je vous l'ai dit. Certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité. Vous savez quoi? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Whittaker, j'ai mis quelqu'un dessus, mais... Ça va prendre un peu de temps. Il va falloir vous armer de patience. Enfin, voilà. Bon petit soldat. Oula. Pas attention à moi. Oh merde! Oh! Je me demande bien ce qu'on peut faire ici. On a tout ce qu'il faut, j'ai vérifié. Y'a que moi qui a faim? Y'en a pas. Wow, la chance! La chance. Merde. Faut que j'aille où là? Caillou magique. C'est même pas mon tour sur le tableau de service. C'est parti. Terrain 2069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins gris. Bon, bah, je suis caché derrière les poubelles. Ah! Je crois pas que tu puisses mettre de lien. Oula, attends, faut que je refasse ça. Oh là! C'est un caillou! Oh la vache. Oh merde, il me cherche. Je me demande bien ce qu'on
merci. Oh merde! On nous dit, maintenant ferme-la. Il s'est mis devant mon caillou! Il s'est mis devant mon caillou! Je vais passer par là. 22069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés. Voilà. Les ongles ressemblent moins à des griffes, comme rongées. Je suis juste à côté. Le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés. Ce qui... Pardon. Pas pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc il porte des bijoux. Que ça a de... Non, je vois pas de bijoux, moi. Ces machins se trimballent depuis 2 ans, à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Elle me voit pas, je suis juste à côté. Montre un babouin pendant 2 ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez en venir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc. Donc ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Mise récemment. Merde. Barré ? Ouais. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Ah. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Il y a plusieurs stades. Presque propre, oui. Enfin, pas propre, mais les mutants sont généralement tellement... Merde, comment je vais faire ? En état de mort cérébrale. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. C'est ce qu'on essaie de déterminer. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en leur préféré, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains, et se chient dessus. Pourquoi ces types perdent leur temps avec de la merde ? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon, il ne reste plus qu'à filer. Je prends les ferrailles en même temps. Ah merde, pourquoi c'est quoi ? On peut pousser ça ? Pour faire quoi ? O'Brien, vous êtes là ? O'Brien ! Ah, c'est peut-être pour sortir de là ? Oui, je suis là. J'ai posé le traceur et récupéré vos données. Le chercheur, c'était un homme ou une femme ? Hein ? Pourquoi ? C'était un homme ou une femme ? C'était une femme et... Ah, ça se trouve, c'est Sarah. Ouais, ça se trouve, c'est ça, la chercheuse, c'est Sarah depuis le début. Contacterai, terminé. Il n'a même pas reconnu sa femme, le mec. Alors depuis tout ce temps, tu me cherchais ! Mais je croyais que t'étais mort ! Mais j'étais sous ton nez ! Fin du jeu. C'est devenu tout blanc. Et puis on a fini ça alors. On a fini. Ah, il y a un truc là-bas. Parler à Copland. Ah oui, puis vous allez voir Tucker aussi. Il y a trop de trucs à faire. Bah, je vais faire un voyage rapide. Ah, on a 2 points de compétence, j'avais pas vu. On va faire un voyage rapide parce que. Si c'est pour tout faire à pied. Ah mais... Quoi ce bordel là ? Hé ! Ah ! Dick,
retrouvé les types qui ont flingué le portail et qui se sont tirés ? Non. Salut, Mike. Oui, je les ai retrouvés. Et ils sont pas prêts de revenir. On dirait que ça empire, non ? Le nombre de squatteurs et de drifters qui se pointent ici. Bah ouais. Ils sont offensés. Non, t'inquiète. Mais t'as raison, Mike. Ça empire. Ah. Je sais pas. Le blanc part. C'est comme ce que tu disais avec les touristes californiens, qui se pointaient tout le temps ici. Bah si j'avais le choix. Ouais, je pas. Voyage rapide pendant un affrontement ? Merde. Ouais, j'imagine. Qui c'est qui m'attaque encore ? Ah, les voilà. Nick, t'es là ? Je suis sorti de l'infirmerie aujourd'hui, frangin. Adi a dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre râler. Dieu a dit tout cracher, et ton bras ? Ah, il m'en reste encore une bonne moitié. Désolé, humour d'amputé. Mais plus sérieusement, j'ai toujours l'impression de sentir ma main droite, tu vois ? Ouais, je crois qu'ils appellent ça... Et je crois qu'ils appellent ça le membre fantôme. C'est le membre fantôme. Tu sens encore le membre, mais il était coupé. Il n'est plus présent. De la visite. Bougez-vous, ouvre-moi. Hé, hey, oh, ouvrez. J'ai déjà vu avant. Ouvrez-moi. Comment va mon chasseur de primes préféré ? Comment va mon chasseur de primes préféré ? Oh, excellent choix. Ok. Ok, ma sœur. Reviens nous voir de temps en temps. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Moi, je vais m'arrêter ici. Je lui ai dit qu'il devait d'abord... Je vais m'arrêter là, puis je vais reprendre le stream plus tard. Enfin, peut-être vers 17h30. Alors, on l'a gardé. Ah, je vais faire une pause. Mais je pensais que je serais plus loin dans le jeu. J'avance pas autant que je le pensais. J'aurais pas fini le jeu ce week-end, je pense. Après, je fais beaucoup de trucs secondaires, donc... Ouais, je suis à 100% sur plusieurs trucs. 94, 50, 60, 57, etc. Zizi, pas mal, là. Puis-je sauvegarder ? Personne ne savait. Une heure plus tard, elle était complètement enragée. La sauvegarde, please. The sauvegarde is here. Mais c'est bien, on aura en plus 2 points de compétence. Enfin, on les met tout de suite. On a 2 points de compétence à mettre. On peut mettre... On peut mettre augmente le taux. Je vais peut-être augmenter un peu ça. Ou alors la mêlée. Réduit le coût de la roulade. Augmente les dégâts infligés par avec les armes de mêlée. Capacité à attaquer furtivement les gros mutants. Combo de coups de botte, réaliser une élimination ou un coup critique. Non, moi je vais passer là-dessus. Augmente de précision quand je me déplace. Et... Et puissance accrue. Tu vas relancer un serveur privat, pas moyen que tu lâches le jeu. Ha ! Très bien, bon, moi je reviens vers 17h30, je pense. 18h max pour du Grand Theft Auto 5. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.